autre sujet dans le journal, en sortie premier pour arriver 30 septembre, la police nationale d'Haïti saisit 133 kg marijuana avec 2,5 kg cocaïne. Dans le cadre d'opération agent PNHO réalisée pendant la période ça, il permet à l'État haïtien confisqué un caille, a saisi 4 machines et 3 armes. Selon porte-parole police nationale d'Haïtien, Michel-Ange Louis-Jeune, Denis Sayo fait partie 42 dossiers traités dans 6 départements pays. Commissaire Michel-Ange Louis-Jeune a porté plus d'explications dans le micro TNH. Citoyen Étienne Alonso. Étienne Alonso, un citoyen qui fête le 28 juin 1965. Citoyen ça, son citoyen qui t'a vivre aux États-Unis. Pendant 13 ans, qu'il a vécu aux États-Unis, il a commis un crime aux États-Unis. Il a accusé de fraude médicale. Il a sauvé quitter les États-Unis. Il est venu vivre en Haïti. Et depuis 8 ans, il a eu un mandat international de elle. Et le 30 août dernier, à Tabar 44, eh bien, la police judiciaire est arrivée à arrêter lui et extrader le 19 septembre dernier. Gagnez-vous, citoyen Saint-Louis-Estéquin. Saint-Louis-Estéquin est son citoyen qui fête le 14 septembre 1983. Monsieur, son citoyen qui tape vivre aux États-Unis, qui commet crime aux États-Unis, qui tue les gens et qui vient cacher à Saint-Louis-du-Nord. Et en date du 11 septembre, la police judiciaire mène une opération dans Saint-Louis-du-Nord et l'y arrête citoyen ça et l'y remettre à l'autorité américaine et le 21 septembre dernier, il a été extradé aux États-Unis. Bureau affaires criminelles dans DCPJ intervenu côté arrêté monde qui commet crime contre les personnes et monde qui commet crime contre les biens. Parmi crimes contre les personnes, le 3 septembre 2018, il a été interpellé Franz Prima. Franz Prima yo interpellé parce que il était impliqué dans la mort Christian Daniel qui c'est un citoyen américain et yo fait crime ça dans Delma 3 alors que citoyen ça t'a retourné sous aéroport le 13 août 2018 dans même quatre dossiers ça le 19 septembre 2018 et bureau affaires criminelles de CPJ arrêté Christian Daniel. Dans le même dossier, ça, DCPJ a arrêté Jean-Ronald Alexis. Dans le même cadre, meurtre sous la personne de Christian Daniel. Là. Il a arrêté deux mouns. Alors que le 18 septembre 2018, le nommé Junior Belzi. Junior Belzi, il a interpellé lui parce que il a bailli la mort à un citoyen togolais qui est Pakame Koyabe Kofi. Pakame Koyabe Kofi, yo assassiné monsieur Akazo le 10 août 2018. Tout dossier ça nous parler là yo. Yo mené dans 6 départements. Département du Nord-Est, de l'Artibonite, du Sud-Est, du Sud, du Nord et de l'Ouest bien sûr. En résumé, pendant toute période ça, DCPJ traité 42 dossiers. 21 dans 42 dossiers ça yo déjà déféré par devant les autorités judiciaires pour les suites de droit alors que il y a 21 autres dossiers qui en cours de traitement.